Salut à tous, c'est Tank et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur Payday 2. Je sais pas encore ce que je vais faire, on va bien voir ce qu'on trouve directement en crime.net pour en early. Je vous avais vu, hein, comme je vous l'ai dit, à chaque fois je changeais de personnage. Donc là on a pris Wolf et j'ai changé ici de masque, donc à faire. Je vous les montre pour le moment, voir ce qu'on peut avoir. Alors musée d'art, non, j'ai pas envie pour le moment, surtout qu'il n'y a pas de niveau. What X Max, ce sera du load, j'ai pas envie. Braquage or en pro. Ouais, tiens, je peux vous montrer un petit braquage. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Je vais juste attendre de voir s'il n'y a pas, par exemple, un braquage en non-pro. Parce que là, alors, c'est que je vais risquer de galérer un petit peu. Mais ça risque de monter assez un peu cool, un peu rapidement. Un braquage cash, tiens. Hop, je vais juste voir avant combien d'XP que je gagne si je le fais en gros 3 levels. Bon, de toute façon, au pire, il est parti. Hein. Ouais, c'est celui-là, il sera mieux. Ouais, ce qui me semblait. Donc, on part sur un braquage cash en difficulté très difficile. C'est pas quelque chose de très très difficile. J'y vais. Alors, juste pour information, les maps qui rapportent le plus. Parce que si vous voulez, par exemple, vous faire leveler par d'autres collègues, si vous avez des potes qui jouent et en fait vous avez décalé. Alors, moi, c'est le cas. Hein. Je joue avec. Donc, avec si vous avez regardé les vidéos de Pipa, vous savez que je joue avec Zephyrnost. Qui doit être actuellement un famille 3 80 90, c'est vrai. Et j'ai aussi Devil qui doit peut-être être monté niveau un famille 5 d'ailleurs. Alors, vu que Zef est un famille niveau 3 80, il va avoir donc beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, et que moi je suis un famille 5 niveau 8. Si par exemple on part sur des contrats qui valent beaucoup d'argent, c'est à dire en général on part sur Pilleur de Nuit, la Big Bank ou alors Dockyard. Qui vont rapporter énormément d'argent, énormément, enfin, surtout d'XP, parce qu'à bout d'un moment, on cherche que d'XP, et qu'on les fait en Death Switch, ça ne sert à rien pour vous. Le problème, c'est que vous étant bas level, et ben, vous êtes limité. Donc voilà, c'est important de savoir quand même qu'on est limité en bas level. Donc, voilà, bref. Alors, au niveau de l'équipement, il va y avoir quelques changements. Je rappelle, je peux prendre un car 4 maintenant, donc je vais prendre un car 4. J'ai 3 de dissimulation, je vais prendre un Kubernetes, c'est-à-dire mon équipement que vous allez voir maintenant constamment. Question. Ça, ou alors si. Non, il faudrait que je prenne le Judge, normalement. Ouais. Mais là, j'avais un petit problème, la loco, niveau 13. Logiquement, ouais, en banque, je pars sur soit la locomotive, enfin la pompe, soit le Judge. J'ai bu au niveau Judge, ce que je préfère. En fait, ça permet de propulser un peu les ennemis. Bon, on va faire 100, c'est pas gênant. À moins que j'ai un pompe, mais non, j'ai pas de pompe de prévu ici. Bref, on va y arriver. Toujours le costume de pièce, ça sert à rien de prendre autre chose. Je vais prendre cette fois-ci, par contre, alors, mes brouilleurs CME qui en soi me serviront pas. Voilà, c'est comme ça. Et vous allez voir que la planification va être différente. Vous avez dans le 4 magasins, c'est-à-dire atouts, je crois que dans le genre. Et là, vous avez planification. C'est-à-dire que vous avez un plan de votre mission. Donc là, vous avez l'extérieur. Ici, l'intérieur. L'extérieur, en soi, on va pas trop s'en intéresser. Faut savoir qu'on a donc un endroit où on va déposer la drill. Soit vous l'avez à la hauteur qui est ici, soit ici, soit ici. En soi, ça ne change rien. De toute façon, voilà, c'est toujours gratuit. C'est juste qu'il va se garer à un endroit différent. Vous allez voir que c'est un système de faveur et d'argent. Alors en général, moi là je cite des sacs mortuaires. Là je ne peux pas parce que j'ai pas la compétence. Alors je voulais avoir qu'un seul sac. Ce qui va me poser un petit problème, je pense. Surveillance, j'ai pas non plus les spy cam. Donc on va prendre un accès cam ou pas, même pas. Je pense que je vais rien prendre du tout. Le piratage. Je vais prendre le piratage. Parce que au cas où, je me dis, je vais peut-être prendre quand même quelque chose. Être à l'intérieur, donc je vais pouvoir prendre ça. Les renforts, j'ai pas équipement de mission additionnelle, j'ai pas non plus passé d'argent. C'est pas grave. Donc maintenant on est parti. Alors logiquement, quand je joue, enfin vous verrez plus haut level, je vous la ferai de toute façon. Je partirai sur un pas un piratage, mais sur un surveillance en spy cam. J'en calerai une ici, une là, pour le sûr, des fois une ici. Et j'aurai certainement un body bag quelque part. Juste pour information, là ce que je vais faire, je suis niveau 3 dissimulation, donc c'est bon, je vais rentrer dans la banque. C'est-à-dire en fait, en général, on est déposé, alors c'est soit ici, enfin oui, par là du moins.
Soit on les déposait dans la ruelle qui est ici, et soit on les déposait ici. Ça vous donne 3 points de spawn. Dans tous les cas, le principal c'est de rentrer donc ici dans la trappe principale. Sauf si on spawn ici et que je vois le garde, pas le garde, mais le directeur derrière. Sinon, je rentre dans la banque, je passe ici. Les gardes en général vont être ici, 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 ici. Ou alors il y en a un qui va pouvoir être là ou là. C'est assez souvent comme ça. Donc moi je rentre, je fais un tour ici pour voir si là j'ai pas la security room ou le coffre. Et après je reviens, en général je fais ça, je vais faire un tour chez le directeur, voir s'il n'y a pas la keycard. Et selon ce qui est arrivé ici, je vais savoir si le coffre il est là ou alors si la security room est ici. En même temps je regarde voir si le directeur est là. Si je vois pas ici, je fais un tour en allant ici pour voir s'il est pas derrière. Sinon je monte parce qu'en général il est là-haut. Ou alors il est passé derrière. Voilà un petit peu ce que je vais faire. Donc là on perd pas de temps, on y va. Hoxhod initialized. Et déjà vous allez voir qu'avec 3 de dissimulation on gagne beaucoup plus. C'est plus simple. Ah, par contre après j'ai pas encore non plus de l'argent, j'ai pas non plus toutes les compétences que j'avais, donc là j'ai pas de garde, voilà. Je vous l'avais dit, le premier garde peut être dans le coin. Alors j'ai qu'un seul CME qui va pas m'être utile. Donc ça déjà je vois aussi la porte ici est fermée. Mais je vois que l'autre là-bas est ouverte, ce qui va m'intéresser. Je vois qu'il y a un garde là-bas, que la sécurité n'est pas là, que le directeur est ici. Par contre, que le coffre est ici. Donc ça va m'obliger à. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, niveau dans lequel je suis, je vais tout de suite coucher tout le monde. Ou de tuer les gens. Là, c'est un peu le problème, c'est que je vais tout de suite en tuer. Alors, faut que je fasse attention qu'il n'y en ait pas un ici, il est là. Alors là, keycard, elle est sur le directeur. Donc, moi, mon objectif, contrairement à Pipa, objectif principal. Et donc de tuer certains civils, enfin du moins de les abaisser dès le début, qui sont qui traversent. Moi je ne le fais pas parce qu'en fait ça m'intéresse pas de le faire. Pipa en fait lui il va arrêter un civil là-bas, un autre à l'opposé. Et après il y a un troisième qui l'arrête ici. Moi je les laisse circuler, parce que normalement je n'ai pas besoin de les boucher. Donc j'espère que ce sera toujours le cas. Donc là je vois Mac Madrid est ici, pour le moment j'ai toujours pas mis mon masque, hein. Je garde vraiment le temps, je le laisse un maximum sur moi. Tant qu'en fait le directeur, le garde n'est pas sorti. De toute façon il risquerait pas de sortir. Si de toute façon je suis obligé de le mettre, parce que... Parce que de toute façon il j'ai 15 secondes parce que j'ai pris donc la compétence de... De barbare, je sais plus c'est quoi, dragon, non, ah, je sais plus c'est quoi, le poche d'atout plutôt. Donc au niveau crochet, je suis descendu à 15 secondes au lieu de fin. On va gagner un peu de temps, même si là c'est pas top. Alors, on va essayer d'attirer quelque chose, oui, parce que c'est vrai que là je peux. Ah, il n'y a pas de. De caméra ici. Ah oui, alors faut savoir, attends je cherche les colis, que si vous killez une caméra tant que votre... Oh putain, toi t'es très bien ici. Je l'ai fait extraire. Donc là j'ai kill la caméra, ce qui a permis en fait à un garde d'être appelé, donc logiquement il y a un garde qui va venir dans le coin. J'essaie juste de bouger un peu le directeur avant. Viens ici. Et coucher. Je récupère en même temps la kicker. Alors le directeur, voilà, enfin le garde, il peut venir de plusieurs endroits en même temps. Soit il va venir par la porte, ce qui arrive. Là c'est le cas. J'ai de la chance au niveau de la caméra. Donc là, lui, je vais le bouger, parce que sinon le problème, c'est que... Alors, ça m'intéresse pas de le bouger, alors je passerai attention au niveau de celui qui est... dans la security room, mais que je vais aller buter dès maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai un corps sur le dos, je suis très lent. Et là, pour le moment, c'est le cas, je vais être très très lent. Tant que j'ai ces problèmes de... De non-compétences qui me sont chères. Donc là, la porte ici est ouverte. Je vérifie en tant qu'il n'y a pas de garde qui sorte. Hop. Ouais,
toi t'es là. Alors ça m'intéresse de savoir qui est là parce qu'en général je veux qu'il ait une petite chambre là-bas. Le souci c'est que je sais pas si j'ai une cam ici. Donc avant, je vais utiliser la carte. Je vais le kill lui, qui est très mal placé. Et je vais attendre un peu plus. Voilà. Alors pourquoi je dis qu'il est très mal placé? Parce que des fois les gardes ils passent ici. Donc là il y a un problème, c'est que s'il passe là, et ben ce garde va se faire repérer parce que là c'est plus de petit bail. Le mieux c'est de prendre le judge de la locomotive en silencieux et en fait de le propulser ici. Vous me verrez que je le ferai ultérieurement quand j'aurai les compétences. Alors là je vais faire un tour aux caméras, je vois qu'il y en a un là-bas. Et que le deuxième il est là. Je sais plus s'il y a quelqu'un ici. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas le top. Hein. J'ai deux civils ici. Donc, ça déjà, c'est problématique. Mais c'est bien, en plus, ce n'est pas du tout utile. Donc, là, le problème, c'est que je vais être obligé d'attendre. Alors, lui, il fait quoi? Toi, tu m'intéresses énormément, toi. Voilà, ouais, j'ai pris d'énormes dégâts, enfin, d'énormes risques. C'est-à-dire que le garde. J'ai essayé. Hein. Ah mais tant mieux, je vais pas le récupérer, normalement il est pas... Ouais, ça va être un peu limite. Il faut que je vois où est le dernier garde. Il est là. Alors c'est pas plus mal, c'est que je vais le faire. Alors là, eux, je vais pas perdre de temps. Je les tue pour un gain de temps. Alors, c'est vrai que je le fais, ça me coûte énormément. Ça me coûte très cher surtout là en ce moment. J'ai pas du tout d'argent. Mais vous allez voir que normalement je récupère d'autres. Je vais récupérer de l'argent donc en soi c'est pas gênant. Et j'ai tué parce qu'en fait je sais que j'ai vu qu'il me restait qu'un seul. Qu'un seul lien. Alors là maintenant que ça s'est fait, que j'ai plus de garde sur la map, j'ai plus par contre qu'un lien. Donc ça c'est un peu problématique mais je vais aller le faire. Parce que sinon, là-bas, quand j'ai demandé au garde, enfin, quand c'est le garde qui m'a repéré, il aurait pu d'abord repérer donc le directeur. Alors, je récupère les colis parce que je les ai vus. On fait toujours un peu plus, c'est pour savoir qu'en fait, les colis vont permettre de gagner des objets que j'ai déjà hâte de vous montrer. Donc là, la cam, elle est cool. Donc là, maintenant, la porte, je sais qu'elle est ouverte ici. Il faut savoir. Que là, au niveau des personnes qui restent, j'en ai deux dedans. Que ces deux-là, si vous n'arrivez pas à les contrôler, vous êtes sûr que, de toute façon, ils vont appeler, ils vont donner l'alarme. Donc, le problème, c'est que moi, certes, je vais perdre de l'argent une fois de plus. Ouais, je suis qu'à 4000 de l'argent liquide, pour le moment. Je vais les tuer, dans tous les cas. Les autres, on va essayer de ne pas les tuer pour une fois. D'habitude, je les tue toujours, mais là, on va essayer de ne pas les tuer. Donc là, j'y vais, action, réaction. Voilà, et là, les autres... On va les matchs. Tu descends. Toi aussi. Et l'autre, je vais essayer de le ramener par là. Alors, le problème de bouger cet otage là, en général, je le tue. Et après, c'est pas mal. Alors, le problème là que je peux avoir, c'est que les civils vont se lever. De toute façon, au bout d'un moment. Et donc là je vais essayer de gagner du temps. Alors les deux points d'interrogation c'est tout simplement Houston et Hoxton. Donc il va falloir que je fasse très très attention avec eux. Et là en fait pour le moment la mission se déroule très très bien, je suis en skills. Le problème c'est que là je vais avoir tous les points d'exclamation ici, il va falloir que je fasse très attention à ça. Avant de démarrer la drill, on va refaire un coup avec tout le monde. Et là je démarre donc la drill parce qu'il y en a quand même pour 5 minutes. Donc c'est très long. Et elle va faire énormément de bruit. Alors, donc je vais essayer de m'en écarter. Même si. Alors là, toujours il y a de l'argent, faites attention, il y en a souvent un ici. Là si je prends cet argent liquide, c'est juste pour. Pour gagner un peu plus d'argent. Hein. Hop et. Voilà, comme ça il a pas laissé de coffre, non, et donc là j'ai toujours pas de bonus pour le moment. Ça va venir. Voilà, toujours faire attention quand vous envoyez un. J'ai pu utiliser une CME, ce qui est très très bien. Alors juste un truc que je vous ai pas dit par contre,
quand vous êtes donc de toute façon on débutant dans tous les cas. Et voilà, là j'ai un petit bonus, c'est cool. Là ça va être très chiant avec la perceuse qui va être là-bas. Commencez toujours par sécuriser cette salle-là. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que si vous sécurisez d'abord assez de sécurité cette salle-là, vous êtes tout seul du moins. Les deux, des fois qu'il y a ici, des fois il y en a deux qui sont en train de discuter, ils voient ce qui se passe là. Eux réagissent. Ce qui fait réagir ces deux-là, en général, voir le troisième ici, et il y en a toujours un qui part actionner le bouton. Donc là-dessus, c'est problématique, toujours. Donc sécuriser la seconde salle en priorité. Après, justement, au niveau des civils, là, ici, ils sont très souvent, de toute façon, à ce nombre-là. Des fois, j'en ai deux ici, il y a très souvent un dehors. Donc, on fait très attention à ce niveau-là. Il est possible, des fois, aussi que vous en ayez une ici, ou un qui est assis. Le problème ici, c'est que quand vous avez la salle de sécu qui est là, et des fois, il y a la place des bancs, et ben, c'est très chaud pour passer la carte sans se faire voir. C'est la seule qui a posé problème jusqu'à présent. J'ai réussi à chaque fois à poser la carte, donc ça c'est bon. Après, les autres ici, ils sont pas gênants. Par contre, ici, vous avez donc souvent ces deux-là, et des fois un troisième qui était donc ici. Le problème, c'est quand vous les tuez, ce qui moi m'arrive très souvent, et ben quand celui-ci, voilà, il meurt ici, ça déclenche ces deux-là. Et quand déclenche ces deux-là, des fois, ça va déclencher cela. Des fois. Donc si c'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, en général, c'est chaud, chaud, chaud. Si c'est juste un point d'interrogation, comme il y avait sur Hoxton et Hoxton, c'est pas gênant. Je vous le dis clairement, c'est pas du tout gênant. Parce que, de toute façon, vous allez... si vous arrivez à descendre assez rapidement, et faire coucher rapidement, les autres là-bas réagissent. Sinon, c'est le problème. Si vous devez les tuer... Là c'est pareil, il vaut mieux tuer au judge, parce que comme ça vous pourrez pousser par là-bas. Et c'est plus un problème. Et après vous en avez un 5, un 6ème, qui est ici, assis mais même allongé. Celui-ci, franchement, il peut rester en vie. Tant qu'en fait vous ne passez pas derrière, ou que vous ne passez pas ici, il peut rester en vie, jamais il ne vous verra. C'est rien, c'est un truc de fou. Il est là, il regarde par ici, il regarde même là. Là, vous voyez mon angle de vue. Hein. Je ne vois pas ceux qui se font tuer ici. Je ne vois pas ceux qui sont là. Même le garde ici. C'est limite. Hein. Je crois que quand le garde ici, c'est limite. Mais des fois, il le voit. Donc, faites très attention à ce niveau-là quand même. Si vous le faites. Là, on va attendre. Il nous reste encore combien? 150 secondes. C'est très loin. Et là, vous voyez en plus, ouais, mon fourgon est ici. Ce qui va être impeccable. Alors là. Ça, c'est le rêve. De toute façon c'est simple, quand vous arrivez ici le fourgon est très souvent là. Quand vous arrivez derrière, donc c'est à dire là-bas, derrière devant la voiture blanche, le fourgon est là-bas. Et par contre quand vous spawnez là au niveau de la voiture blanche, le fourgon est encore un peu plus loin derrière. Donc c'est un peu problématique. Pour le moment tout se déroule très très bien. Voilà. Donc là voilà, je suis en cible, vous voyez en fait en gros j'ai mes deux gardes qui sont là. Qui ne bougeront pas, ils n'ont pas été utiles. Alors, je les ai pris parce que de toute façon ça ne coûte pas plus cher. 106 secondes, ok. Donc voilà, ça coûte pas plus cher donc ça c'est cool. J'essaierai de vous montrer ultérieurement une mise en place de la banque qui me plaît énormément. J'adore à chaque fois la faire. Merde. Alors je l'ai tué pour une simple et bonne raison. Et là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. C'est qu'il était en train d'appeler la police. Alors quand vous avez... Ouais. C'est bon. Quand vous avez ces téléphones, c'est soit qu'un civil appelle la police, soit que c'est un directeur, enfin pas un directeur, un garde, qui va appeler le renfort, tout simplement. Donc là, en général, c'est kill. C'est clairement kill. Hein. On discute pas avec les civils qui appellent... hein. Voilà. Moins 5000. C'est vrai que je cherche aussi un peu d'argent parce que le problème c'est que là-dessus c'est chiant. Vous verrez plus tard, donc je vous disais la
La mise en place que j'aime bien, c'est donc la salle de sécu ici et le coffre ici. Pourquoi je l'aime bien? Simplement de raison, c'est que plus tard, vous allez avoir les perceuses silencieuses. Même cette grosse perceuse va être silencieuse. C'est-à-dire, quand je dis silencieuse, c'est qu'elles sont... En fait, vous faites repérer que si le civil ou le garde la voit. C'est quand même très important. Donc logiquement, de toute façon, à ce niveau-là... De toute façon, dans tous les cas, je mute les 4 gardes. Parce que c'est le mieux. Et quand j'ai en fait le coffre ici, là, c'est la salle de sécu où elle est là. Et ben je sécurise que ce côté-là. C'est-à-dire, en gros, j'ai 5 ou 6 civils à sécuriser. Les deux qui sont à chaque fois, je les emmène là-bas. Parce que c'est moins risqué. Et après, je suis peinard. Mais clairement, je suis tranquille. Je peux faire mon braquage tellement tranquille. Après, même si le coffre est là-bas, enfin, le camion, c'est pas gênant. Donc là, j'ai 4 bagues. Et voilà, des fois, ce qui arrive. La deuxième perceuse. Celle-ci fait moins de bruit, hein, donc ça, c'est cool. Juste pour vous montrer, je vais prendre le petit. Au niveau de mon point, là vous avez un indicateur de temps. Donc le temps, c'est en gros si elle va mettre moins de temps ou non. Là c'est si elle est silencieuse. Et là c'est si elle va redémarrer toute seule. Donc voilà, vous avez des compétences à savoir. Enfin du moins à obtenir par la suite. Et c'est ces compétences là qu'on va voir et qui s'affichent justement dessus, savoir ce qu'elle est. Alors, faut savoir aussi par contre, là ça va pas être le cas, mais quand vous mettez une drill, surtout les petites comme ça, quand vous les mettez et alors qu'il vous reste des gardes, ça attire des gardes, tout comme les caméras cassées. D'où le fait d'ailleurs que j'en ai cassé une tout à l'heure, hein. C'était volontaire. Ah, par contre, dans la banque, ne cassez pas les caméras qui sont à l'intérieur. Alors, vous avez des caméras à casser qui vous posent aucun problème. Ça, je n'avais pas de temps pour une fois. Celle que vous pouvez casser, très souvent, vous en avez une en haut. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché celle du haut d'ailleurs. Qui est placée juste au-dessus des choses. Et celle que j'ai cassée, donc qui est à l'extérieur. Donc, quand vous avez ces deux caméras, alors là, c'est déjà royal. Vous pouvez vous dire que vous avez déjà tué deux gardes. Voilà, et l'autre en général qui est donc ici que j'ai cassé déjà. Enfin, vous avez celle-ci, c'est qui est là-haut. Vous avez donc deux gardes de tuer et déjà deux gardes de moins à vous emmerder. Là, c'est très clair. J'en ai une dehors, c'est absolu. Toujours faire attention à celle-ci d'ailleurs qui est dehors. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous la faites en stealth d'ailleurs et que vous sécurisez que ce côté-là. Faites attention à ne pas vous faire repérer par celui qui est assis là-bas. C'est-à-dire en allant, en fait, sécuriser celui qui est là. Voilà, ou alors les cartes là-bas. Parce que le problème, c'est que lui qui est dehors, surtout si vous avez la caméra, se fait repérer par la caméra si vous n'avez pas désactivé. Et surtout, va faire repérer tout le monde ici. Alors là, c'est l'orgie. Mais le gros orgie total. Ça devient n'importe quoi. Donc ce qui va, c'est que la première, je vous aurais montré en load, ce qui est très souvent arrive le cas. La première mission, quand vous êtes niveau 0, de toute façon, vous allez la faire en load. Parce que le problème, c'est que ben, vous n'avez pas de chance. Vous revenez certainement d'un infamie, vous êtes niveau 100, et là, poum, vous remontez à 0, c'est chiant. Ou là, vous venez juste de commencer le jeu. Alors, si c'est le cas, c'est possible, ça arrive. Si c'est le cas, voilà, c'est un peu galère. Bon, ça arrive. Donc là, je vois qu'il me reste 3 colis, je pourrais aller chercher, à savoir qu'en général, les colis qui restent... Là-bas, enfin dans les ruelles. Là je m'en fous un peu, hein. Très clairement je m'en fous un peu. Parce que c'est comme ça. Je sais plus si je vous l'ai dit au début de l'épisode, mais il est possible, je crois que je vous l'ai pas dit. Il est possible que je tourne, que je continue à jouer en off. Alors si Zephyr pointe le bout de son nez. Alors soit je vous les ferai en vidéo. Comme ça je vous ferai des vidéos en double et vous verrez que, en fait, les maps, certaines maps sont bien en double. Parce qu'en fait, je ne connais pas toutes les maps, hein, je ne connais pas par cœur. Genre, pire de nuit, peut-être que je vous ferai, mais pas en des switch, parce que j'arrive pas. Mais comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne en fait en multi. Et vous allez voir que certaines maps en multi sont mieux, déjà celle-ci. Elles vont être différentes.
Alors, je regarde juste qu'il n'y a pas de civil qui traverse. Non. Lui là-bas qui est peut-être m'embêter. Ah, je suis très lent, hein. Là, ça... Donc, je vais sauver les 4 bagues. Alors, je peux en sauver qu'un seul. Vous voyez, un seul, ça valide la mission. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Ah, c'est lui là-bas qui me... C'est lui que j'ai peur. Il est tout seul. Et à chaque fois quand j'appelle... Donc là, je vais prendre les 4 pour récupérer de l'argent, parce qu'il m'en faut. Il faut beaucoup d'argent. Donc là, voilà, vous passez dedans. Vous mâchez. Alors, en général, c'est le bouton F. Alors, hop. J'essaie de passer. Pas qu'il me voit. Très bien. Vous voyez, un très difficile. Et bien, c'est 100 000 quand même, le sac d'argent. C'est quand même, enfin 97 000, hein, j'ai arrondi 100 000. Alors, par contre, vous gagnez pas cette somme là, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a une partie qui va en fait dans votre compte offshore. L'autre partie que vous gardez, et peut-être bien une partie qui s'en va en fait à votre commanditaire. Il y a toujours l'autre qui est là-bas, je crois que c'est Us qui s'appelle. Ah ouais, les civils ont des noms. Non, Us c'est la dame. Lui, je sais plus, celui de la Big Bang de toute façon. C'est le. Ouais. Ça pipe, il connaît par cœur. Alors, Us, bah, c'est ça que j'ai buté justement, c'est elle. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le dernier sac. Donc, là, vu que c'est le dernier, eh ben, très clairement, j'ai foncé. S'il y a un civil, je vais le coucher. Donc, là, il y a le civil qui est là, qui me gênera pas. Voilà, c'était lui, de toute façon, que j'avais anticipé. L'autre est parti là-bas dans le fond, et donc, ça, c'est cool. C'est-à-dire que là, je pose le sac dedans. Il est validé et je m'en vais. Et là, vous voyez une mission qui s'est déroulée en slit. Donc, vous avez un bonus de slit. La mission se fait en 20 minutes. Ce qui est pas mal pour un début. En général, ça fait ouais, entre un quart d'heure et 20 minutes à peu près. Donc, ça, c'est bien. Et puis, 7 perso, après, bon, voilà, on s'en tape un peu. C'est. Bon, si, ça compte quand même tuer 6 civils. Voilà, c'est un peu le problème. Cette mission, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, là, après. Les colis, pour le moment, j'en suis où? Ça avance doucement, mais sûrement. Ouais, d'XP qui va arriver. 29 000 d'XP, j'ai encore gagné 2-3 niveaux. Là-dessus, c'est cool, hein, 2-3 niveaux, voilà, deuxième niveau. 2 points de compétence. Alors, tous les 10, vous avez 2 points de compétence récupérés, je crois que même à 5 d'ailleurs. Voilà, déjà, 5 niveaux. 6 niveaux. C'est ce qu'on a eu, de toute façon, on a eu 6 niveaux. Et là, je m'arrête là, il est quasiment même plein. Regardez, plus de la moitié. Quasiment plus de 3 quarts. Et là, je suis déjà niveau 14. 2 missions. Je n'ai pas joué en enfin. 2 missions, je suis niveau 14. Et en plus, j'en ai pris une en difficile, l'autre en très difficile. Et c'est un objet infâme. Alors, cette chance que j'ai. Donc, juste pour vous montrer après ce qu'on obtient. Alors, toujours en fait, là, quand vous avez quand vous avez le pic, c'est-à-dire que vous avez des compétences qui sont là. Donc, là, je vais prendre la compétence 6ème sens. C'est même pas négociable, et bien je vais la prendre en as directement. C'est-à-dire qu'en fait, dans la banque que vous venez de voir, et ben je vais pouvoir récupérer la carte qui est sur le bureau du directeur. Donc ça, c'est pas négociable. Alors, Winston Wolf, je vais attendre avant de le prendre. Je le prendrai par la suite. D'abord, je vais le débloquer en fait via fantôme, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai acquis ceci. Et ben, je vais prendre aussi ceci parce que comme ça, ce sera mieux. Et je vais commencer à prendre les gros billets pour avoir un peu plus d'argent déjà rapidement. Donc ouais, et quand vous faites du style, c'est-à-dire la discrétion, commencez directement par prendre ces deux ici. Donc c'est-à-dire ces deux ici, c'est sûr. Parce que celle-ci, même là, ça a coûté moins cher que celle qui, je crois, qui est l'enfant. Alors je sais, je la recherche encore une fois. Hein. Celle qui fait 95, c'est la même, exactement la même. En fait. J'arrive vraiment pas, il est pas un technicien normalement. C'est-à-dire que vous en avez une qui a exactement les mêmes compétences mais qui est plus haut dans l'arbre. Réduit les durées des effets visuels. Non, c'est pas aussi haut parce que je prends pas aussi haut. Ça, je viens de le prendre assez rapidement aussi là. Faut que la prochaine mission je le prends. De toute façon, je pense que je vais en faire une juste derrière pour pouvoir justement les prendre. Là, je cherche le truc que je vous dis. Moi qui l'ai viré justement, à force. Ce qui
qui n'est pas plus mal. Alors je sais plus où aller. Ouais, bref, j'en avais une. Donc la pole à tout, c'est le bulgare. Ça, vous les prenez directement parce que déjà ça fait moins de bruit quand vous tuez les civils, les gardes. Et puis là, vous allez pouvoir avoir le sixième sens, vous allez voir, ça va être quelque chose de très pratique. Après, en fantôme, et ben surtout prendre le sprinter que je vais prendre en as par la suite. Faudra prendre le caméléon, surtout pour en fait le niveau 1, la rapidité, le shinobi, le nettoyeur. Alors, ça, c'est ce que vous allez prendre en cours. Ouais. Les compétences, c'est-à-dire ces trois là. À prendre en... Ah mais c'est si, ouais. Les ennemis font 95% de bruit, voilà. Il faut déjà qu'elle soit là, donc déjà c'est très haut. Donc voilà, ça vous l'oubliez. C'est-à-dire ça en as, ça en as, ça en normal, ça en as, ça en normal, ça en as, ça en as. Ça c'est cool. Technicien, et eh ben vous les prenez si vous le souhaitez, c'est-à-dire pour avoir les perceuses. As, as, et puis celle-ci après elle est pas forcément obligatoire. Je la prendrai. Là, vous prenez la mule, c'est tout. Et après, là, vous allez prendre les attachants, psychorigides pour avoir les bonus et getter. Et après, vous pouvez prendre l'endurance aussi, qui est cool. Voilà, en gros, c'est ce qui est, les compétences qui vont être prises. Et après, je disais, oui, dans l'inventaire, vous avez ici quand même ce qu'on, à chaque fois ce qu'on obtient. Mais vous avez aussi, vous voyez, des petits points ici, exclamation, interrogation, bref. Et bien, c'est pour savoir si vous avez débloqué des armes ou des... objets pour voilà. Alors là j'ai un masque, c'est un objet que j'ai récupéré, c'est un masque lui-même. Ah, c'est l'histoire d'Uxton que j'avais pas. Et donc c'est donc celui-ci, c'est-à-dire en fait c'est le masque d'Uxton par défaut que vous pouvez pouvoir modifier comme l'histoire de chaîne, voilà, que j'ai ici. Et parce que le masque de chaîne normalement c'est celui-ci. Voilà. C'est ça que vous allez pouvoir commencer. Uxton René. Voilà, si vous avez les masques qu'on peut avoir, j'ai Wolf aussi, comme ça, bref, chacun a le sien, et donc j'ai celui-là, Docteur La Peste, que j'aime pas, de toute façon, je ne prendrai pas, enfin, il est pas top. Bref, mission qui s'est très bien déroulée, en plus de ça, c'est-à-dire que j'ai un bonus de 10%, ah oui, juste pour vous montrer, alors juste pour vous montrer, allez, pire de nuit, j'ai dit, pire de nuit, vous rapporte en Death Switch, beaucoup d'XP, vous voyez, 2201%. Là, je refuse, je vais pas la prendre parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Vous avez aussi qui rapporte beaucoup Dockyard. Donc, en des Switch, je vais même pas pouvoir tester. J'ai même pas assez de compétences pour pouvoir la tester en des Switch. Donc là, je refuse, hein, je vais même pas chercher à la faire. Big Bank, c'est pareil, je vais même pas pouvoir. Bon, juste pour vous montrer au deuxième niveau, Big Bank, j'ai 659 000. Dockyard 707, donc déjà Dockyard rapporte plus. Et vous avez pour reprendre Pilleur de Nuit qui va rapporter 659. En gros, Pilleur de Nuit, Big Bang vont rapporter la même chose. J'ai oublié si vous avez le diamant. Le diamant qui est donc ici, qui va rapporter 659 000. Hein. Voilà. Donc c'est, en fait, c'est pour ça. C'est que là, vous voyez, si je ne peux pas les prendre, c'est que sinon, en fait, ça nous limite niveau XP. Ça, c'est cool de le savoir ici. Vous avez aussi un petit Outland Miami ou Outland Libéré. En gros, celle-ci rapporte énormément déjà. Vous avez le collectionneur qui va apporter aussi pas mal, mais qui est assez complexe. Sur 59. En gros, pour le moment, c'est vraiment Dockyard qui apporte énormément. Ça, c'est bon à savoir. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas sur quoi ça va être. On va voir ce que nous offre la vie. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon braquage à tous. Salut!